Coucou, c'est White, avec Jack. Salut. On voit sa caméra là. On est sur Brick Inventions. Qu'est-ce que tu as inventé, Jack, pour commencer? Une petite structure avec trois catapultes et on va voir si ça fonctionne. Je fais une petite, un petit tour d'horizon de la structure. Vous voyez, une petite structure sympathique, construite par Jack. On va voir si les catapultes fonctionnent et si on peut faire péter cette tour. C'est l'épisode combien? C'est l'épisode 2, ouais. Premier épisode, on avait fait un domino et quelques explosions. Cet épisode-ci, on va faire beaucoup d'explosions. Que du boom. Vas-y, teste. Okay. Je prends une vue de loin. Pourquoi? Moi, je m'approcherai quand ça pète, mais que je vois la catapulte partir. Quoi. Et la catapulte, chère. La capitapulte. Bon, je vais voir si ça fonctionne. 3, 2, 1. Oh, te mets pas dedans, hein. Pourquoi tu t'es mis dans la catapulte? Oh, ça va passer loin. Mais ça fonctionne. Ah non, c'était pas toi qui étais dedans. Oh, c'était pas assez loin, ça. J'ai eu un boulet, je me disais. Deuxième. Vas-y. Elle est plus près de celle-là. Mais j'ai un doute. À moins que la déflagration... Ah bah elles sont bien tes catapultes, mais faut les mettre plus près. Voilà, merde. Bon, on fait péter la dernière quand même. Tiens, je le fais pour toi. Ah non, merde, faut l'outil pour ça. Ah bah voilà, c'est fait. Celle-là elle a pas été loin. Oh non. Bon, excellent. Je mets pause le temps que tu mettes des catapultes plus près. Ouais. Alors, pendant que Jack préparait les nouvelles catapultes, j'ai fait la base de notre future pyramide. La base explosive. Et puis j'ai commencé à mettre des blocs gris là, de béton ou je sais pas quoi, de pierre. Qu'on va mettre tout autour et monter une pyramide et puis BOUM! Jack va m'aider à la construire tout à l'heure. Allons voir. D'abord je prends mon tool de normal. Allons voir les explosions. Bon, on va dire. Catapulte en or. Ouais. Parce qu'on se la pète. À fond, on est riche. Attends des petites secondes. Ok, je suis prêt. Test. Alors, on va directement voir si la grande tour s'effondre. On va activer ça. Pas péter, hein, je te le jure. Ouf, oh putain, c'est encore trop loin. Merde. Putain, on va jamais y arriver. Je suppose que celui-là, vu que l'a mis à la même distance, ce sera pareil. Ah, j'ai oublié un boulet. Mets-toi dessus. C'est la fin que j'ai déjà sorti tout à l'heure, ça. Ah, ok. Si t'avais pas capté. Je t'avais demandé pourquoi tu t'étais mis dessus. Ah, d'accord. Attention, ça va péter. Ouais, mais ça va pas aller assez loin. Bah, allez, bon, t'as compris, faut les mettre 3 carrés plus loin. Je continue la pyramide en attendant. Ouais. Bon, nous y revoilà. Attends, je les zoome un peu, sinon je vois pas la tour. Ok. Bon. On va utiliser les grands moyens, hein. Deux dynamites. Ouais. Bon allez, c'est parti, pour le premier là. Ça clignote. Ouais. Ah! Ça dégringole. Oh putain. Ouais, ça marche. Il reste plus beaucoup de blocs, hein. Ils ont tous cassé quasiment. Ouais. Excellent. Allez, on passe au deuxième. Et là, elle va passer au-dessus, tu vois. Ouais, j'aurais pas l'air con là. Non, je pense que ça passe crème là. Boum! Wouah! Tendance gueule! Excellent! Trop génial! Faudra en remettre encore une au milieu. Ouais. Ah, on va détruire le pont, hein. Ouais. Excellent. Ah, attends. Idée. Que vas-tu faire? C'est calme en fait ce jeu. On va jouer au bowling. Ouais, ça devrait aller là. Je bois un cul. Attention, c'est parti. Bang. Oh. Waouh. C'est génial. Destruction massive. Attends, pour la dernière, on va pas se prendre la tête. Non, special. Option. Non, bloc. Non, un tools. Clique dessus. Ah non, les bombes, c'est maximal.
Donc faut prendre le truc d'activation. Clic. Oh oh. Bon. Quand tu veux. Bon. Hein. Ah, en fait... ah ouais, elle pète quand même, c'est ce que je veux dire. Ah, elle met du temps, hein. Ouais, puis t'as le temps de me barrer en courant, quoi. Intéressant. Bon, allez. C'est pas assez. On en a jamais assez pour les explosions. Non, tu pourrais mettre 45 blocs de dynamite parmi toute la... le reste de la structure et tout faire péter. Oh putain. Bon, je vais faire un enchaînement. Je pense que ça fonctionnerait. Je sais pas, on va voir. Ah, ce serait excellent si ça fonctionne. Bah, à mon avis, vu comme ça va péter, ça va juste péter quoi. Parti. Ça clignote là. C'est parti. Ouh, oh, ça a fonctionné. Oh, regarde la bombe. Elle est passée à travers. La bombe est partie, elle a pété sur la colline. Attends, je vais péter. Ah non. Ah, c'est chiant, faut chaque fois prendre le truc d'activation. Clic. Déflagration. Oh, c'est génial la physique, hein. Oh, il y a la la bombe basse. Bon allez, voyons fou. Bon, je vais dire recommencer ici. Tu mets de la dynamite? Ouais, un petit peu. Oh ouais. Oh putain. Oh, ça m'a pété à la gueule. Range ta chambre. Bon, dans un instant, la pyramide. Bim, j'ai fait le tour. Donc on a déjà le tour qui est fait. Ah merde, il faudra que j'ai deux couches parce qu'ici je vais mettre comme ça. Tout du long. N'est-ce pas? Shit. Enlève. Faut surtout pas que ça pète avant l'heure. Ce serait fâcheux. Et bien sûr, je n'attache rien. Très fâcheux. Oh, je vais faire une entrée, tiens, rien. Les catacombes. Ouais, vous imaginez un peu le truc? Ça va être une pyramide. Bon, la pyramide se remplit petit à petit. Je suis obligé de mettre évidemment les blocs au milieu pour pouvoir monter jusqu'à avoir un toit. C'est joli, c'est joli. Quand je pense que tout ça va péter, j'espère. Hé, t'as fait une fusée? Ouais. Elle est prête? Problème, c'est que je sais pas comment faire pour les... comment dire? Pour les allumer simultanément. Bah on compte et on allume ensemble, tiens. Ah ouais, bien vu. Patate. Quoi, je dois venir faire ça maintenant? C'est prêt, là? Ouais. Allons-y. La vue. Donc je prends mon tools de machin. Peut-être ce côté-là. Ouais. Moi j'active les deux autres. Yep. Ok, je suis prêt. Vas-y, compte. 3, 2, 1, go. Ah. Pas assez puissant? Ça marche bien. Ah ouais, d'accord, attends. Faut les mettre infinis aussi. Ouais, ça va le faire. C'est déjà prêt? Non. Presque. Ok. 3, 2, 1, go. Bon, attends. Ouh, ça tangue. Il est vachement lourd leur bois. Ouais. Mais t'as mis à fond au moins les trucs. Ah ouais. Punaise. Dit. Ouais, c'est un peu foireux là, mais le truc en bois qui est pas foutu d'être soulevé. Bizarre, à mon avis, il y aura un stut. Un fail. Comme vous pouvez le constater, on s'est mis à deux sur la pyramide. Alors, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait donné cette idée de faire une pyramide. Mais je suis désolé, j'avais noté son pseudo sur un papier. Et ce papier a malheureusement décidé de voler de ses propres ailes et m'a quitté. Je ne suis donc plus en mesure
te faire la dédicace. Si tu te reconnais, jeune fifrelin, place-nous un message en commentaire. Clique sur dislike pour te venger. Et je te promets que je ne citerai jamais ton nom. Oh, excellent, je suis con. Regardez, on a fait déjà... C'est quoi ce truc, je suis... Toute une base. Quelle naze. Putain, ils sont complètement traviole. Ouais, il y a un espace, c'est bizarre. Espace détente. Qu'est-ce que c'est, quoi, ce truc? T'as pas acheté les mêmes blocs que moi, quoi? T'es passé chez Monsieur Bricolage? Comment tu fais pour les placer comme ça si bien? Je les pose délicatement avec mes doigts de fée. Voilà. Bon, on va continuer à monter ça. Petit à petit, nous montons encore et toujours plus haut vers les cieux. Alors oui, c'est pas la plus grande pyramide du monde. Peut-être que le jour où on aura 3 mois de congé... et rien d'autre à faire, on en fera une énorme. Mais en attendant... on commence par une... je vais pas dire une petite. On va dire une moyenne. Elle est bien, elle est bien. Regardez, elle est quand même pas mal, hein. Ça paraît petit pour vous, mais... merde, déconnez, j'ai bougé. Shit. Ah. Mais c'est quand même du boulot à mettre en place, hein, bloc par bloc. Tout ça pour que ça puisse exploser. Shit. Faut la mettre au mieux. Pourquoi elle rentre pas là, putain? Ah, celle-là du dessus qui... voilà. Ah. Ah. On arrive presque en haut. Ah ah. Shit. Unas piramidas. Magnifico. Ah. Attends, faut qu'on mette le totem. D'immunité. Énorme. La pyramide Anka. Anka. Attention, on perd pas de temps pour terminer ce deuxième épisode. Oui, ce seront des épisodes courts, hein, sur briques instructions. Sinon, on va pas y arriver. Attention pour terminer ce deuxième épisode. Let's boom la pyramidas. Yeah. On va mettre un peu loin, sinon on va voir. Voilà, on a une belle vue là, je pense. Wouhou. Kawabunga, il pleut des blocs. Protégez vos fenêtres. T'as vu ça? Regardez ça. Piou, piou. Die pie. Il y en a encore à la bobo, regardez. Eh, c'est trop génial. Oh, il y en a encore qui volent, regardez. Il y a un truc qui dépasse là, c'est quoi ça? Il y a encore un bloc qui vient de... il y a des blocs qui tombent. Oh. Attends. Attends, il pleut. Il pleut. Ouais, regarde. Ah non, ça c'est ton truc qui vole. Ah non, c'est ta caméra. Oh, c'est trop génial, j'ai encore envie de faire péter des blocs. C'est trop gay. Si on faisait une espèce de... de long chemin de pyramide qui mène à un bloc, ouais, à un terrain de bloc pour terminer en grosse explosion. Mais un long chemin de pyramide, on enclenche la première pour voir si ça fait l'effet boule de neige. Un chemin de pyramide. Ah, si tu lâches des blocs de trop haut, ils cassent, hein. Ça sert à rien. Ah merde, putain, c'est chiant ça. Gaspillage. C'est comme ça que tu ranges les assiettes à la maison? C'est du... ouais. Explosion finale dans un instant. C'est trop cool que pour en faire qu'une, on en fait une deuxième. Cool, on est en train de faire un espèce de pot pourri de bazar, regardez. On met de tout. Bon, on en avait déjà fait un beau là tout de suite, mais il y a eu un accident. T'explosais. Une dynamite présomptueuse a pété. Et je peux vous dire que la déflagration n'était pas des plus désagréables à regarder. Donc, ce qu'on vous réserve là pour le bouquet final. Ça devrait être pas mal. Oui, on a envie de faire cracher le jeu, oui. Bon, ça va, ça, ça va, ça. On fait pas encore non plus dans l'exagéré. C'est lourd, tu vois, c'est ça, hein. C'est super lourd ça. Ouais. Dire, si tu lâches ça, mon vieux, dans le terrain, ça devient super dangereux. Regarde, ça va tout péter, regarde. Tu vois? Oh putain, fieu. C'est lourd à mort, fieu. Je crois que c'est de la boule de bowling. Ça casse tout. Bon, on va mettre des boules, mets des boules un peu partout, ça va valser, mon vieux. Hey. On pourrait même dessiner un bonhomme. Ah ouais. Des yeux, une bouche. Oh, on se marre comme des cas. Je crois que le terrain penche un peu, Jack. Ouais. Je sais pas, les boules se tirent. Ouh, il y en a une qui va toucher ma dynamite. Chaleur. T'as comment t'as fait ton tracé, toi? Oh, je bouge et puis je clique, hein.
Tu la One Again. La One Again, quoi. Ouais. Un truc à la Domino, quoi. Valérie Domino. Ouais, ça m'étonne pas qu'on ait des accidents. C'est toi qui fais péter le bazar. Non, même pas. Excellent. Ouh là, j'ai... Calme-toi, là. Calme-toi, t'as fait une trop grosse tour, là. Calme-toi, White. Bon, t'es obligé d'aller si loin, là. Non. J'en mets encore quelques-uns, là, sinon ça va pas péter. Je vais la ramener chez toi. Ça va être chelou. Ok. Punaise. Moi, je suis prêt. Vas-y, balance. Ramène-toi. Ouais. Je fais péter le premier. Vas-y. Clicouille. Je vais essayer de suivre, mais je vous préviens, ça risque d'être tendu. Wouah. On a oublié un détail. Ça fait le tour, regardez. On n'a pas mis de dynamite dans le terrain. Ouh, mais ça déflagrationne quand même. Ouh, il y a une bête qui vole. Et je... Ah. Oh, elle a pas explosé. Non, elle a fait... Mais on avait oublié le principal, hein. Ah. Mais ouais, ah oui. Mets ta dynamite au milieu du bazar. Casse-couille, ça. Vas-y, j'y fais comme un cochon, fieu. Ok, c'est bon, on va se quitter là-dessus. On n'a plus le temps de jouer, là. Attention, ça va péter. Ouh, c'était quoi ce bruit? Oh, rien. Attention. Ouh, ça roule. Ça passe quand même. Il y a beaucoup de fumée quand même, on voit pas grand-chose. Ouf. Bon, il reste plus grand-chose. Comme bien souvent, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est un petit épisode 2 pour le fun. Pour le 3, on verra, on fera peut-être des grandes structures, on verra ce qu'on a envie de faire, si on a le temps. Tout à fait. En attendant, nous partons pour une autre mission, tout autre. Et on vous dit à la prochaine sur Brick Inventions. Ciao, ciao, ciao. Ciao.